Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Comics Disney. Nous allons nous intéresser à l'album Les Trésors de Picsou, les grands maîtres de la BD Disney, Luciano Botaro, tome 2, le numéro 66 de mars-avril 2024. Grand format, couverture souple, moulée, 180 pages de bande dessinée. Voilà. Paru chez Marchand de Journaux, donc en mars, au prix de 6,95 €. Voilà. Donc dans cet album, qui vient juste de paraître, nous avons un total de 6 histoires. Nous avons l'histoire du portrait soustrait, Picsou, l'héritage controversé. Picsou, la crise est contre tous. Picsou, le secret de la montagne Barberousse. Craignez la terreur de Rebo et Mission Jupiter. Et nous avons aussi un portrait du dessinateur avec pas mal de documents. C'est vraiment. Et en fin d'album, nous avons Acturama. Voilà. Un album très riche. Et il y a pas mal d'histoire, et nous avons ici la deuxième partie, excusez-moi, qui recouvre l'année 1968 à 2006. Voilà. Alors, on va feuilleter ça ensemble. Pas mal de choses intéressantes à voir. Donc, bien sûr, nous avons un portrait du dessinateur. Il y a énormément de choses à voir, pas mal de photos aussi. Voilà, première histoire, l'histoire du portrait soustrait, qui elle date de 1972, donc ça date, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Luciano Botaro, un dessinateur dont on a rarement quand même fait les grands titres, donc c'est très bien que cette collection s'intéresse à lui. Il a un style un peu, je dirais un peu décalé parfois, c'est spécial, hein. Faut aimer, hein. Voilà. Sur les pas de Karl Barks, il s'est beaucoup inspiré de la légende Karl Barks. On les voit ensemble là. Après, c'est pas mal, ça, c'est bien ça. Un bel album, hein, quand même. Voilà, un style un peu. Ouais, c'est un peu décalé, hein. À noter quand même là, au niveau des couleurs, c'est très très beau aussi. Waouh! Il aime bien un peu l'art abstrait. Hein. On peut le voir là, c'est particulier. Hein. Autre histoire, hein, qui date de 1971. Là, une aventure avec Pop-Pop. Je pense que ces histoires ont dû déjà paraître dans les Mickey Parade, les anciens, les très très vieux, là, ceux qui paraissaient quand j'étais gamin, hein, dans les années 70-80. Là, la couleur a été retravaillée. Hein. Là, c'est 1972 encore. Hein. Voilà. Ça recouvre 68 à 2006, mais là on voit que bon, c'est plutôt les années 70, hein, en gros, les histoires qui sont présentes dans cet album. Ça, j'aime bien. Ça, c'est pas mal. Tiens, journal de Mickey hors série numéro 8. Je ferai une vidéo de celui-là.
je l'ai acheté aussi. Donc très prochainement, il y en aura une aussi. Voilà. Là, c'est un peu plus récent. Là, c'est 1995. On voit que son style, il commence à changer. Voilà. Wow. Et même les gros plans. Voilà. C'est hyper décalé, là. Vraiment, pour le coup. Là, des créatures un peu bizarres, oui, j'avoue. Spécial, hein. Craignez la terreur de Rebo. Je pense pas déjà avoir lu cette histoire. Ah, pour une fois. Ah, c'est spécial, hein. Ah ouais, c'est space, hein. Franchement, son truc, c'est. Ah, c'est spécial. J'avais jamais vu un truc pareil, quoi. On voit qu'il aime les univers complètement. Ah ouais. Ici en Jupiter. Ouais, c'est pas mal. Franchement, il est bien cet album. C'est particulier, mais j'aime. Je valide. Je valide. Il joue énormément sur les couleurs aussi. C'est pas mal. Ah ouais, c'est spécial, hein. Ouh. Je suis même en train de me dire s'il n'avait pas consommé quelque chose, le dessinateur. Ah ouais. Ah, c'est pas mal, j'avoue. Alors, si vous aimez les univers frappadingues, voilà, je vous conseille. Et enfin, BDRama, toute l'actu de la bande dessinée. Ça, c'est aussi c'est hyper intéressant. L'actu, voilà. Donc, les trésors de Picsou numéro 66, actuellement. Chez les marchands de journaux, au prix de, je reviens, 6,95 €. Voilà. Luciano Bottaro.